She walks to the heart of her memory. She remembers seeing through these windows the white ships that passed slowly down the river. The boats have gone, but she still pictures them through the walls of gray and concrete. Oui, là, j'augmente le nombre de personnes à 3 personnes. Parce que ça commence à être de plus en plus occupé. Fait que passez une bonne journée, puis on se met tout en équipe pour faire un bon service à la clientèle. D'accord. Merci. Bien, on dit que c'était bâti dans 1931, l'Île-de-France. Et puis, le soir que j'ai entendu que Mme Lady Eaton, elle a pris un voyage chez l'Île-de-France, elle a aimé beaucoup la salle à dîner. Fait que là, elle a dit, je vais vous emmener ici, puis on va faire la même chose, l'Île-de-France. Puis elle a bâti 2 salles à dîner, une grande à Toronto, bien, très anglais, parce que j'étais loin. Ça m'intéressait d'aller le voir. Et puis ici, c'était l'Île-de-France. She dreams of embarking on the transatlantic steamers while the world is without a future. It's 1931, the Depression. She's 17. She works to help her parents, but what she really wants is to leave. She sees herself in first class with those beautiful women in their long white dresses, like in an American movie. Once again, she says the same prayer. She knows no other way of dreaming.
J'aurais bien désiré aller en Europe. Puis, eh bien, la ville l'a pas voulu. Ça s'est donné comme ça. Puis après, ben, là, parti, là, ça m'a coûté. Là, pas parti. J'aurais aimé ça. On va aller en France, j'aurais bien aimé ça. En France, voyez. J'aurais aimé ça. Madame Dagenais? Oui? Ça fait combien de temps que vous venez au 9e? Oh, mon Dieu! Mettons que j'avais 20 ans. Alors, 22... 92... 91... Ça fait compter ça. Ça ferait 70 ans, mettons. Alors, ça ferait comme depuis que c'est ouvert, quoi, c'est ça? Presque. Je ne peux pas dire que je suis venu tout de suite la première année, mais c'était certainement au commencement. Puis, est-ce que vous vous souvenez de votre première impression? Ah oui, je m'en souviens. Ça m'a surpris. C'était un peu un émerveillement. Il avait tellement annoncé le restaurant que c'était beau. Puis, tu sais, mon Dieu, Jésus, on dirait qu'on rentre dans un transatlantique. Puis, l'art déco, c'était bien nouveau, hein? Ça m'avait bien impressionné. Puis ensuite, on était un peu émerveillés. La grandeur du restaurant, puis l'agencement de la table. Tu sais, on parlait des grands hôtels, mais jamais on parlait d'un restaurant qui avait du cachet, avec des belles nappes, l'argenterie, le service, les fleurs sur la table, les serveuses qui étaient impeccables, qui ont gardé, qu'on connaissait. Parce qu'ils les ont gardés. Il y en a peut-être des vieilles encore. C'est un restaurant que j'ai beaucoup apprécié au long des années. Après, en vieillissant, on vient moins. Mais c'est pas parce que j'aimais pas ça. Mme Cortez, ça fait combien d'années que vous travaillez au 9e? Ça va faire 28 ans au mois de septembre. Comment vous avez choisi dans le temps? Quand on rentrait le matin puis les portes ouvertes, on était tous sur notre table. Il ne fallait pas rire, il ne fallait pas faire. Il fallait rentrer assez sérieux. Puis là, on attendait. Mais il y avait beaucoup de monde qui rentrait dans ce temps-là. Puis là, on attendait. Puis surtout qu'on avait des clients, mais on allait chez l'autre poteau avec notre side tower. Puis là, on disait bonjour. On attendait, on donnait une couple de minutes pour prendre la commande. Puis là, on s'en allait dans la cuisine, il n'y avait rien ici. Ça a tout servi dans la cuisine. Il n'y avait pas de bouffée dans mon temps. C'est mieux juste après. Puis quand les clients s'installaient à leur table, là, comment vous faisiez ça? Vous allez les voir? Oui. Tout de suite, donner de l'eau puis dire bonjour. Puis bien, on approchait, on va dire... Bien, c'était des Anglais. Good morning. Puis là, on amenait avec notre pot d'eau. Mais les verres, c'était pas viré dans mon temps. C'était comme ça. Là, on les dérange pas trop. Puis là, on attendait un petit peu. S'ils parlaient, il fallait attendre. Il ne fallait pas les déranger. Puis là, vous prenez votre commande. Oui, là, je vais dire, are you ready to order? Would you like a few more seconds? Are you ready? Fine, then I'll take your order. Puis elle voulait pas qu'on écrisait notre ordre. Il fallait se rappeler, parce qu'elle disait que c'était plus la classe. C'est un grand service. Oui.
Moi, quand je retourne en Acadie l'été, je dis, il faut que je fasse mon pèlerinage. Je prends la voiture, puis il faut que je monte telle rivière, puis j'aille voir telle vallée. C'est mon petit pèlerinage. Bien, c'est un petit peu ça ici. C'est un petit peu ça ici. Même si je rencontre personne, je m'en viens ici. C'est un petit peu, je sais pas, retrouver des choses anciennes. Bien, je sentais que c'était un luxe. C'était un luxe parce que c'est certainement pas une époque où, en général, il y avait une population qui était bien à l'aise financièrement, mais il y avait l'autre monde dont j'étais. Et venir ici, je trouvais que c'était un gros cadeau parce que on voyait bien que les dames qui étaient là, qui nous entouraient, étaient très bien habillées, de beaux bijoux, enfin tout ça. Donc, on c'était un petit peu se transplanter. Ça faisait plaisir. She finds that her house in the East End is, at the same time, both too big or too small. 2 years ago, she was free. She was working in an office. She still believed in the dream of love. The war is now over. She's married. She's pregnant. She can feel it. The beautiful house is expensive. Her husband's salary will not suffice. Today, she goes into town, as she does every Thursday. She wishes something would happen. Dans ce temps-là, pour ça, la toilette avait combiné. Les gens ne s'habillaient pas comme aujourd'hui. Pour venir en ville, on allait en ville magasiner, on s'habillait. Une robe de toilette, des talons hauts, un chapeau, des gants, la sacoche, tout le kit. C'était de la cérémonie, comme aller à messe. Aller à messe, c'est la même chose. On se toilettait. Puis, la moindre sortie, c'était comme... Vous alliez à l'hôpital voir une malade. Vous ne seriez pas arrivé habillé n'importe comment. On s'habillait. Une robe, puis du crêpe de Chine qu'il y avait dans ce temps-là. C'était, on s'habillait en toilette. Puis les talons hauts, puis c'était comme ça. On s'en venait dans l'Ouest. On dit, je m'en vais dans l'Ouest aussi. Puis c'est pas pour rien qu'il y avait dans l'expression « dans l'Ouest, ma chaille Thank you very much. Quand j'ai commencé, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais à la longue, on vient attacher notre ouvrage. Puis les clients qui nous demandent. Puis on est fiers quand ils nous demandent. Puis là, j'ai trouvé que je faisais quelque chose de bon. Puis j'ai resté. Puis ça m'a bien intéressée. Vous aimiez pas ça, pourquoi? Bien, j'avais jamais fait ça. Puis c'était pas mal dur en commencement. Il y avait
les affaires à prendre. Puis c'était très... Le marchement, c'était juste dans la cuisine, c'était loin. Puis notre cabaret était très chargé parce qu'il ne fallait pas oublier rien. Parce que si on oubliait quelque chose, l'été, les cafés, c'était tout servi en arrière, ça. Fait qu'on y pensait comme faut d'arriver avec un cabaret bien chargé pour arriver ici et pas oublier rien. Parce que si on oubliait quelque chose, il fallait retourner de la cuisine. Puis ça, c'est quand vous avez eu 25 ans de service. Puis c'est pas tout. Un vrai bail à diamant qu'ils m'ont donné, un gâteau, une petite fête. On est très heureux cette journée-là. Puis là, ils m'ont demandé de faire un petit speech. Puis j'avais dit en anglais, 25 years, I think all in all, I think I earned it. I had stress days, hard days, bad days and good days. And I thank everybody. Okay, this is for my lovely star. That's the star. So, Mrs. Ritchie, yes, you were there the first day of yes, the opening. I was the hostess at the opening in 31. Yes. How was it? And it was very busy. How many people came at the opening? Do you remember? Oh, the people? How many people? 1,700, I think. 1,700 people. And I was very, very... I thought that I was very important at that time, you know. And the people were lining up... As far as the elevators. Every day. Every lunch hour, they were lined up. And they had the opposite door to coming in, they had the businessmen just walk in and go to the gold room over there, and they were served more quickly. You know, they didn't have to wait, so. But when you come back here, how do you feel? I feel lovely memories. Really nice memories. Make me feel young again. And do you mind to tell us how old you are now? Oh, yes. How old are you? 90 years old. And you still look beautiful. Yes, it's a long time ago, of course. But I still remember. C'était dans le temps de Noël. J'avais amené ma fille et on était venu manger ici au 9e. Puis tout à coup, à une table un petit peu plus loin, discrètement, il y a quatre dames des anglophones qui sont arrivées, qui avaient vu de meilleurs jours, dont les vêtements étaient un petit peu élimés, fatigués, mais avec des chapeaux, des gants, tout ça. Et elles ont commandé du thé. Puis là, elles se sont échangées leurs cadeaux. Elles se sont donné leurs cadeaux. Et à un moment donné, la serveuse est venue changer le thé, apporter une théière, une nouvelle théière. C'était assez touchant. C'était touchant, je pense, de voir ces personnes-là qui allaient revivre pendant un court moment les belles années qu'elles avaient eues autrefois. Christmas shoppers, again this Christmas season, we offer this very special service.
She feels she's not living her life. She can't find peace within herself. So she goes on, as if there's nothing wrong. She doesn't let it show. At times, she'd like to run away. She goes out with her daughter. She likes being alone with her. She watches her grow and wonders if her life will be like hers. She wants to tell her to be a free woman, but she doesn't dare. Moi, dans mon esprit, il n'y a pas de première fois. Je suis toujours comme venue ici. Il n'y a pas de, y a pas de césure. Là. Je me vois assise, puis je me vois regarder les poissons, puis la fontaine qui coule. J'avais 5 ans, 5, 6 ans. Et on venait ici à l'occasion de fêtes de Noël, à Pâques. Puis plus tard, en tant que femme seule, vous veniez ici... Aussi, définitivement, oui. Parce que c'était... Il y avait la sécurité ici, et c'était bien, on mangeait bien, on était chic, ça allait de soi. Et c'était pas tellement courant non plus que les femmes puissent aller n'importe où seules. Hein. Alors ici... On avait notre oasis. Quand j'étais maman, j'ai emmené mes enfants ici, évidemment. Et pour toujours les mêmes raisons, la fête... Une voûte de souvenirs, une voûte... Les souvenirs indélébiles sont plus avec grand-maman, avec maman, puis maintenant bien, avec Marie-Hélène, bien, ma fille. Et à l'extérieur de la salle à manger, en face des salles de bain, il y a des cabines téléphoniques. Et c'était les anciens, naturellement, à cette époque-là, les combinés noirs et blancs. Et je me faisais des histoires en attendant. Là, je fermais la cabine et j'étais complètement ailleurs. Là. C'était... La machine à voyager dans le temps, là. Je me faisais des histoires, je parlais avec des espions. Écoute, c'était extraordinaire ce qu'un téléphone peut faire pour quelqu'un là, qui avait, à cette époque-là, j'avais peut-être 10 ans, là. Parce que mon rêve, c'est de devenir comédienne, puis vu que c'est un château, moi, je pense toujours aux décors de théâtre. Tu sais, Roméo et Juliette. Moi, c'est mon rêve de jouer Roméo et Juliette. Puis le château de Juliette, tout ça, là. Ça me fait penser au 9e. Je sais pas comment l'exprimer, mais une vie sans 9e, là, il me manquerait quelque chose. Puis je sais pas pourquoi exactement. C'est que... Je pense que c'est de génération en génération, c'est passé ça. Et pas venir au 9e, c'est comme si on visitait pas la famille une fois ou deux fois par année, là, même si on vient plus régulièrement qu'une fois, deux fois par année. Là, c'est un rituel. Ouais. Parce que c'est tellement des bons souvenirs à se rappeler ici, même des mauvais souvenirs. C'est tellement... Tu sais, il y a tellement une ambiance, là, curieuse. Tu sais, c'est un phénomène inexpliqué. Ah non, j'espère être grand-mère et amener ma petite-fille ou mon petit-fils, là, mais... Non, j'imagine plus ma petite-fille. Ouais, que Marie-Hélène, à son tour, ma fille, à son tour, amène sa fille, puis...
puis que moi aussi, je fasse des sorties avec elle au 9e, puis que... Ouais. Vous parliez entre vous. Oui. Raconter puis que la je vie. Parle, donc, de ma grand-mère, puis de ma mère, puis... Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Fendez le bois, chauffez le four, dormez la belle aînée poisson. Pour un bouquet de roses que je lui refusais, je voudrais que la rose soit encore au rosier. Fendez le bois, j'ouvrez le four, dormez la belle, il n'est pas jour. Madame Laroche, ça fait combien d'années que vous travaillez au 9e? Ça fait 19 ans cette année. 19 belles années. Avant, j'étais vendeuse au 4e étage. Parce qu'ici, il y a 9 étages, c'est pour ça. La salle à manger, on l'appelle le 9e. Mais j'étais vendeuse au 4e pendant 2 ou 3 ans. Puis à un moment donné, je voulais faire autre chose parce que le besoin monétaire était là aussi. J'avais 2 jeunes enfants, adolescents, qui voulaient un paquet de choses que les autres enfants avaient. Puis moi, j'étais divorcée. C'était assez difficile de leur donner tout ce qu'ils voulaient avoir. Alors, je suis montée ici. J'ai fait application. Et puis, ça a pris du temps. Parce que j'étais obèse, beaucoup. Aujourd'hui, je suis grassette, là, grosse, là, mais j'étais vraiment obèse. Puis il n'y avait pas d'uniforme qui me faisait, mais on m'avait dit, il faut vous garder. On a besoin d'une personne dans votre genre. Une personne comme vous. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. Pour même je m'en vante à des personnes. Où est-ce que vous travaillez? Des fois, je mets tous mes tabliers sur la corde à linge, puis là, ils ont vu certains voisins. Vous êtes serveuse à quel endroit? Ah, je travaille au 9e chez Thun. Puis je suis fière de le dire. Ah oui. Bien, c'est devenu comme une partie. Les amis sont tellement intimes ici, comme familial aussi. Après plusieurs années comme ça, ça fait partie de ma vie. Ah oui, j'aime beaucoup.
C'était important à plusieurs moments, un en particulier. Une de mes filles est née avec une malformation cardiaque. Alors, elle a dû subir une chirurgie. Alors, j'ai été à Montréal plusieurs semaines. Et de pouvoir venir ici, de regoûter à cette atmosphère calme et tout ça, parce qu'à un moment donné, manger, c'était devenu presque impossible. Alors ici, au moins, je vais leur demander des petites choses. Et aussi, c'est que j'étais vraiment sortie du milieu là, de l'hôpital. J'étais vraiment... Là, quelqu'un s'occupait de moi, puis j'avais besoin de ça pour retourner et m'occuper de ma fille d'une certaine façon. C'était surtout être là et être capable de prendre ça, parce que c'est une époque très dure. Alors, c'était encore une fois... un endroit où je pouvais venir respirer et repartir, restaurer dans, un peu dans tous les sens, oui. After her children left home, she often had the same dream. She's standing alone on the deck of a boat, and she watches the agitated seas. Her face is whipped by wind and salt water. She wakes up in the morning, her eyes filled with tears. Merci. Merci. Vous aimez bien? OK. Ensuite, c'est tout? Deux filets dorés, s'il vous plaît. Je l'enlève. OK. OK. Ensuite, pour vous. Vous avez mon doré sans amandine de près. Oui, c'est bon. C'est bon. Bon appétit. Merci. Danny, un roast beef bien, bien, bien cuit, s'il vous plaît. Madame Gontier, ça fait combien de temps que vous travaillez au 9e? Moi, ça fait 20 ans. Et j'ai des clientes, bien, ça fait 20 ans que je les sers. Il y a, entre autres, Madame Homais, qui a 93 ans aujourd'hui. Puis, ça fait 20 ans que je la serve. À tous les semaines, c'est régulier, une fois par semaine. Mais là, c'est un petit peu moins parce que... Elle s'est retirée un petit peu parce qu'elle est dans une chaise roulante maintenant. Puis j'en ai d'autres, Madame Rose aussi, qui venait régulièrement. Puis elle vient moins souvent, peut-être une fois par mois maintenant. Puis, oh,
J'ai beaucoup de clientes comme des petites personnes âgées et seules. Moi, je trouve que j'aurais jamais pensé dans ma vie faire une serveuse, mais j'ai trouvé vraiment que j'étais heureuse en partageant comme ça, oui. Parce qu'il y a quelque chose dans le service ici? J'adore ça, oui, oui. Parce qu'on est près des clientes, près pour toutes sortes de raisons. Puis même, des fois, ça nous fait du bien, nous aussi. Oui. C'est drôle, ma sœur, je parlais à ma sœur ce matin, puis ma sœur me disait, te souviens-tu, on est allé là pendant 35 ans, puis ça a toujours été la même serveuse qui nous servait. On n'a jamais su son nom. Puis c'est vrai. Ça a été la même serveuse pendant des années et des années. On n'a jamais su son nom. Elle nous reconnaissait, elle reconnaissait ma mère qui venait à toutes les semaines. Certainement qu'elle la reconnaissait. Elle est venue jusqu'à tard, je pense. Elle est venue longtemps. Ah, ma mère est venue très longtemps. Je pense que les dernières années qu'elle est venue, elle devait facilement avoir 80 ans, 85 ans passés, là. Autour de 85 ans. Pendant toutes ces années-là, oui. De 40 ans. De 40 ans à 85 ans. Donc, pendant 45 ans, elle est venue manger ici une fois par semaine. Je suis vedette aujourd'hui. Oh. Ça va bien, ma belle Vaina? Ben oui, ça fait plaisir de vous voir. Ben oui, bonjour, Bibiane. Comment ça va? Ça va bien, puis toi? T'arrives-tu ou tu t'en vas, là? J'arrive. T'es toute seule? Je suis seule. Je suis venue tous vous voir. Oh, c'est le fun. Je vais aller voir ma belle Cortez. Annette, viens me dire bonjour. Hey, how are you? Hi, Daniel. Oh, good. What a beautiful surprise. Where do you ever live? Good. Well, thank you very much. Are you still going to Florida? Yes, we do. Good luck, Lee. I'm so happy for you. You should retire, too. Yes, I'll see you in Florida. You look very good. Yeah, well, I feel good. Thank you. And how's the family? Fine. I hear your grandmother? Three times. Oh, and you thought you were never going to be. I know. I'm very happy for you. Who else do I have to see? Thérèse. Ah, bien, j'ai toujours aimé le 9e, puisque j'ai travaillé 22 ans ici. D'abord, on avait des belles heures, surtout pour les femmes mariées comme nous autres, là, avec des enfants. On était 45 filles quand j'ai commencé ici, moi. La majorité était anglaise. Il n'y avait presque pas de Canadiens françaises. Et puis, il y en avait parmi qui n'étaient pas trop contentes d'avoir des Canadiens françaises. Heureusement, avec le temps, ça s'est amélioré, tu sais. Ils ont trouvé, après un certain temps, qu'on était bien fines aussi. On s'est bien arrangés. Hello, how are you? Hi, Daniel. Nice to see you. Quand j'étais fille, je faisais les hôtels de saison, qu'on appelle. Comme dans l'Ouest canadien, là. Ben Spring Hotel, Château Lac Louise, l'Empress of Victoria. J'ai travaillé sur les bateaux, comme de raison. Ça, sur les bateaux, j'ai adoré ces bateaux. Mais malheureusement, le bateau passe au feu, est-ce que je peux le dire? Le bateau a passé au feu, puis j'ai jamais retourné sur un bateau après. J'étais un craintif.
Mais moi, quand je te voyais, je t'admirais. C'est ça. J'ai jamais été capable de porter mon cabaret autrement que ça. Non, hein? Bien, si j'ai appris comme ça, surtout sur les bateaux, il fallait que tu marches avec la vague, tu sais. Ah, fait que tu pouvais contrôler beaucoup plus avec tes doigts. Les doigts ouverts. Oui, qu'avec la main. Comprends-tu? C'est pour ça, voilà le secret. C'est ça. Alors, nous, on l'appuie sur l'épaule, puis on vient avec des problèmes de colonne. Toi, ouais, tu n'as pas. Non, moi, puis j'ai pas de problème de colonne. Non. Puis c'est après ça, je portais mon petit cabaret, plein de boissons, plein de manger. M'en allais comme ça. Oh oui, oh oui. C'était bien. She returns to the ninth floor. We no longer see the river from there. It's winter. She's meeting her daughter and granddaughter for tea. She's early, as usual. She's 70 years old today. It's making her feel uneasy. She surprises herself thinking about her own disappearance. She reflects on the continuity of things, on what is passed on, and on the ebb and flow of memory. Après que j'ai fini mes études, moi, je pouvais continuer. Parce que mon père, lui, on pouvait jamais s'instruire assez. Puis, il dit, si tu veux, continue. Mais là, moi, j'étais bien chez nous, vous comprenez bien. Puis là, j'ai appris à conduire la voiture. Puis, ça me... J'aime autant ça que d'aller... Et après, ben, ça, tant pis. Il faut pas arrêter, hein. Puis, j'avais 18 ans, c'était pas vieux. Puis, qu'est-ce que vous auriez fait si jamais vous aviez continué? Pardon? Un avocat. Alors, c'est sûr. Mais dans ma famille, ça parlait de ça. Mais j'avais un frère d'avocat. Mon père, c'était une profession qu'il aurait aimé faire. Il lui a pas eu beaucoup d'instructions. Mais il l'a pas regretté parce que ses parents étaient pauvres, excepté qu'il en a souffert énormément. Ça fait qu'il voulait que ses enfants, il dit, ils passeront pas par où j'ai passé. Votre mère... Ma mère est morte, elle avait presque 101 ans. Hein? Un peu plus que 100 ans. À peu près. Ma mère est une femme un peu formidable. Hein? Je pense qu'elle nous aide à vivre parce qu'elle nous a donné son tempérament. Pas s'arrêter aux niaiseries qui ne valent rien puis faire des montagnes. Vous avez une photo d'elle. Pouvez-vous nous la montrer? La petite photo, oui. Elle est là. La petite photo. Ça, est-ce que c'est avant son mariage ou après? Mais c'est dans la période. Elle a 20 ou 21 ans. C'est elle, ça. Puis c'est bien elle. Elle vient vieillir, c'est bien évident, mais elle était belle encore. Oh, même à une âge bien avancée. Thank you.